Allez, mercredi 22 juillet, c'est parti pour le lac du retour, circuit de la Louis Blanche. 2h25, ça c'est à pied, enfin marchant, en courant, on va voir combien de temps on met. En face, on voit le Mont Valaisan que l'on a fait avant-hier. Belle, vraiment belle ascension. Et ici, on voit un petit peu la vue panoramique avec pas mal de nuages, quelques pluies prévues ce matin et un orage cet après-midi. Fin d'après-midi, il faudra rentrer avant. Très mignon. En fait, ce chemin, ça devrait être pas mal du tout. Dur. Il y a une belle montée là. Le col est encore là-haut. Je sais pas combien j'ai fait de dénivelé là, mais bien comme il faut. Petite rivière là qui descend. Et là, je viens d'en face la rosière là-bas au bout. Moins de 2 km, un peu plus que 2 km en montagne. La distance non plus, il n'y a plus que le temps qui compte. Alors, enfin, on est au col. Comment est la vue ici? C'est magnifique. Magnifique. Lac. Bon, on est pas assez tôt pour se baigner là-dedans, je pense. Bon, là on doit pas être loin de 2008 et 1900 mètres, je pense. Peut-être un peu moins. Il y a une petite éclaircie, alors je vois le ciel du soleil. Ça donne un petit peu de fond, ça fait un petit peu de relief.
circuit de la Louis Blanche. Bon, on a retrouvé la route. C'est magnifique. Je viens de traverser ce désert blanc. Extraordinaire. Ça me fait dessus. Voilà. C'est avant que les gros nuages arrivent, encore deux bonnes heures et c'est repos. Je sais pas si on voit bien, je suis rentré vraiment à temps, pile poil. Parce que alors là, c'est la société totale. On est déjà arrivé.